c'est vrai que je suis né à Bagdad. Tout le monde rêvait de cette ville. À cette époque-là, il y a très très longtemps, bien sûr, elle était extraordinaire, mais je n'ai goûté que jusqu'à l'âge de 12 ans, je crois. Nous avons été chassés à l'époque, c'était les années 51, je crois, avec ma famille, tout ça. Ma famille avait tout perdu quand même. Nous sommes arrivés en Israël, j'ai fait ma petite scolarité un peu perturbée parce que je ne connaissais pas la langue. À l'âge de 19 ans, j'ai commencé et puis terminé 3 ans, 3 ou 4 ans, je sais pas, 3 ans, je crois, de Beaux-Arts à Tel Aviv. J'avais des très bons professeurs. À l'époque, c'était les années, fin des années 50, c'était l'apogée de l'art abstrait. Et moi, comme un élève qui écoutait ses professeurs, d'ailleurs qu'ils étaient des très très bons peintres, et j'essayais de. Voilà, j'étais baigné dans cet art abstrait. Et puis je pense que je récoltais pas mal de compliments. En arrivant en Israël, en fait, nous avons été parqués dans des champs où il y avait les tentes. Là, je voyais ma mère pleurer, mais enfin, ces tentes-là, je les dessinais. Et donc, je devais avoir 12 ans, 13 ans. Voilà. Pourquoi je dessine ou je peins? À vrai dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aimerais m'expliquer. D'abord, pour les qualités d'humanité de son travail, c'est-à-dire que chez lui, la vraie maîtrise qui compte est l'humanité de ces personnages. Je ne cherche pas que le personnage soit beau, mais je cherche que la peinture de mes personnages soit bonne. La chose qui m'attire le plus chez Abraham, c'est qu'il me renvoie quelque chose où je me sens bien. J'ai l'impression, quand je vois sa peinture, de faire partie de sa famille, de rentrer dans le sens caché des choses. Voilà, ses personnages, sa nature, les petits détails. J'allais dire profond qu'il exprime dans son travail, la finesse de son travail, me raconte une histoire qui lui appartient et il me permet d'y rentrer. Et ça, c'est magique, c'est magique. Son abstraction sont élargies, est élargie à la figuration, c'est-à-dire que la figuration apporte une nouvelle dimension. C'est, comment dirais-je, très actuel, parce que on se rend compte que tout d'un coup, la figure peut apporter à la peinture, mais que il n'oublie pas qu'il a été un peintre de grande qualité, d'ailleurs abstrait, et il y a chez lui de grandes plages qui mettent parfaitement, de grandes plages de couleurs, qui mettent parfaitement en valeur ses personnages. J'ajouterai une chose. Sa peinture est particulièrement intéressante au niveau de la relation chromatique qu'il y a entre les couleurs de Haddad. C'est toujours d'une justesse extraordinaire au plan du voisinage des couleurs les unes par rapport aux autres. Et ce qui donne un côté extrêmement précieux à sa peinture, par sa densité,
coloré, car c'est un travail, comment dirais-je, qui est fait d'une juxtaposition de beaucoup de touches de couleurs. La touche est quasi invisible, mais les peintres ne s'y trompent pas quand ils s'approchent. C'est un travail émaillé d'une splendeur polychrome. Je ne suis qu'un témoin de ce que se fait sur mon chevalet. C'est presque réel. Vraiment, c'est une réalité, en fait. Je suis là pour aider mes personnages de prendre corps dans ma peinture. Je suis peut-être le premier étonné de voir ce que je viens de faire. Et c'est une vérité. Et pour le réaliser, enfin, j'essaye d'être, avoir le regard un petit peu objectif. C'est vrai que la peinture d'Adat, si je devais dire un mot, c'est l'intime, l'intimité. J'aime bien dire une phrase qui va très bien à Abraham, c'est la phrase d'Aristote, le but de l'art est de figurer le sens caché des choses et non point leur contour extérieur. Voilà. Chez Abraham, il exprime ce qui ne se voit pas et il me fait rêver. Voilà. C'est ça que j'apprécie.